Bonjour mes amis, je m'appelle Adriano Nogueira, j'enseigne à OSCOR, Yoga Searcher. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui une séquence pour nous amener vers l'idée de nous pardonner et la compassion. Pardonner à nous-mêmes, pardonner nos proches autour de nous, à nos amis, nos collègues, notre famille, mes enfants, ma relation avec mes enfants, avec ma femme. Venez doucement, pensez d'abord à calmer votre respiration. Vous n'avez pas besoin de rester sur les genoux comme moi, vous pouvez vous asseoir tranquillement par terre, glisser quelque chose sous les hanches pour être à l'aise. Et dès que vous êtes prêt, pensez à calmer votre respiration. Fermez les yeux un petit moment et observez les rapports avec votre respiration. Comment vous respirez? À partir d'ici, vous inspirez, vous savez qui vous inspirez. Vous expirez, vous savez qui vous expirez. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Vous êtes là. Peu importe où vous êtes, peu importe qui vous êtes, peu importe comment vous êtes, la capacité d'être à l'aise avec vous-même, de cohabiter votre espace qui vous appartient, votre espace physique, votre espace psychique, votre espace émotionnel. Fermez les yeux, dirigez votre attention vers votre respiration, inspirez longuement et profondément, observez comment l'inspiration elle aime l'expiration, comment l'expiration aime l'inspiration, la capacité de transformer la vie, vous avec vous-même, d'absorber l'oxygène et rendre les CO2. Vous nourrir avec l'inspiration et nourrir autour de vous avec l'expiration. Dès que vous sentez que vous êtes à l'aise et que vous êtes là, ni à droite, ni à gauche, ni hier, ni demain, dans le moment, sur votre tapis, avec votre pratique, vous avec vous. Dès que ça va, venez doucement à quatre pattes, pensez à être parallèle avec votre tapis, et à quatre pattes, écartez vos genoux à droite et à gauche, les pieds à droite et à gauche, pensez à l'image d'un crapaud, d'une grenouille, sans forcer, essayez de développer un rapport positif avec votre posture, si vous êtes à l'aise, vous écartez bien. Si vous n'êtes pas trop à l'aise, écartez un peu moins. Sans que ça développe une sensation de colère, car c'est une posture puissante, ni de haine, un rapport positif avec votre posture, peu importe la posture. Aujourd'hui, la grenouille. Une fois bien écarté, à droite et à gauche sur les tapis, venez avec les bras tel ensemble derrière vous et doucement, asseyez-vous derrière, sans exiger des genoux, sans stresser vos genoux, sans pousser en arrière, dès que les bassins se déplacent derrière vos genoux en direction des talons, doucement, venez poser les coudes au sol. Avec les deux coudes au sol, relâchez la tête, relâchez les poids du corps derrière, respirez tout simplement. Un corps en pleine conscience respiratoire, observez les rapports avec votre respiration, avec votre posture. Gardez la tête bien relâchée. Observez votre silence. Observez une certaine immobilité. Laissez au niveau des aines les adducteurs, les faces internes de vos cuisses s'ouvrir. Vous pouvez rester là quelques 5 respirations, jusqu'à 30. 30 respirations longues et profondes, ça va faire à peu près 3 minutes. Ça suffit largement. Si vous êtes trop à l'aise, vous restez 5. Pour ne pas se perdre, vous pouvez toujours placer un minuteur à côté de vous et compter un peu le temps que vous restez là. Vous pouvez être intuitif aussi, développer un rapport avec votre corps, votre cœur,
votre esprit, peu importe si vous êtes super bien aujourd'hui ou pas trop, respirez tout simplement. Observez sans attente, sans attachement. Soyez là. Respiration. Au bout de quelques respirations, poussez lentement avec vos coudes, vos mains, revenez avec vos épaules et sans jamais glisser un genou vers l'autre. Soulevez, peu importe lesquels, les genoux gauche pour moi dans ces cas, du sol, en plusieurs fois s'il faut. Je reviens au centre, les doigts, vous voyez, pas d'un seul coup, doucement, je peux aider avec ma main droite. Je soulève, je reviens au centre. Et dès que les faces en termes de cuisses sont ensemble, doucement encore, des mouvements lents, en pleine conscience, revenez à quatre pattes. Tournez-vous sur votre tapis. Pensez avoir toujours les genoux sur les tapis. C'est pour ça que j'étais parallèle avant. Je reviens face à mon tapis, face à l'avant, et avec les genoux au sol, encore doucement, pensez à avancer vos coudes un peu et poser les fronts au sol, comme si je faisais un chien à tête en bas, sauf que je n'ai pas besoin de la force de mes bras pour tenir mon corps soulevé. Je pose mes coudes au sol, j'avance un peu mes coudes, et je pose les fronts au sol. On aura à peu près le même bénéfice de la posture du chien à tête en bas. J'appelle cette posture moitié d'un chien. Sans trop d'efforts, le même bénéfice au niveau vertébral. Une fois installé, une fois que vous êtes à l'aise, sans forcer la nuque, sans que les poids coulent vers l'avant, si c'est trop fort pour vous, vous venez avec les bassins encore plus en arrière, comme en balasana, hein? On pose les fronts au sol. On pourrait rester avec les bassins sur les genoux avec les cuisses verticales perpendiculaires au sol. Ça va être un petit peu plus puissant au niveau vertébral. On pose les coudes au sol, les fronts au sol. Et dès que vous êtes installé, sans y stresser vos épaules, ce n'est pas forcément confortable, mais l'inconfort est un terrain fertile pour la transformation physique, psychique, émotionnelle. On s'installe. Une fois installé, j'avance bien mes bras, peu importe si vous êtes simple, assis derrière ou comme moi. Je viens toucher les paumes de mes mains ensemble et pointer les doigts des mains vers le ciel. Et je respire encore. Ici, dans une idée de humilité, de me rendre à moi, à qui je suis. Essayez de penser les raisons d'être là. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes ici? Est-ce que il faut vous pardonner pour pouvoir cohabiter d'une façon à l'aise et confortable qui vous êtes, votre corps, vos émotions, vos pensées? Vous pardonnez les autres? Pardonnez autour de vous, vos amis, votre famille, vos collègues, les rapports que j'ai avec ma famille, avec mes copains, avec mes copines. Soyez là. Respirez surtout. Sans vous attacher à vos émotions, à vos pensées, soyez un observateur de qui vous êtes dans ce moment. L'exercice d'être capable à nous pardonner, c'est un exercice puissant, pas forcément joyeux, ça peut être douloureux, inconfortable, mais ça vaut le coup. Moi avec moi, vous avec vous, rien d'autre. Les rapports avec moi-même, avec mon environnement. On compte encore quelques 5 respirations, 10, une trentaine. Encore plus, si vous voulez, jusqu'à être vraiment là,
percevoir votre moment. Et quand vous sentez que ça va, vous expirez doucement, vous revenez avec les deux mains au sol. Et sans vous presser, je reviens avec les mains à plat proche de mes épaules, m'aider à se relever. On crée des appuis pour ne pas trop solliciter les muscles du corps. Une fois là, j'avance mon pied droit entre mes deux mains. Je cède un peu d'espace, j'avance, je pourrais tirer mon pied vers l'avant. Tout doucement, il n'y a pas de correct ou incorrect. Et une fois ici, j'essaie d'écarter un peu mon genou gauche en arrière et tourner doucement mon pied droit à droite. Avec la main gauche sous l'épaule, je pourrais tout simplement appuyer la main droite au niveau lombaire et ouvrir la poitrine. La posture, j'appelle les Revolved Monkey Lunge en anglais. C'est comme si je faisais la posture du singe, monkey, Hanuman, mais en lunge. Comme un grand écart, mais encore presque dans la position de coureur, les lunge, avec une bonne ouverture de la poitrine. Revolved pour renverser ou en torsion. Donc la torsion du singe. Si c'est possible, je viens saisir mon pied gauche derrière. Je laisse mon genou droit partir à droite, mon pied à gauche, mon bassin à droite, les épaules derrière. J'essaie d'exposer la poitrine vers le plafond. On respire encore, on observe la profondeur, la puissance de la posture. Quelques 5 ou 10 respirations, ça suffit. On inspire et on expire doucement. On revient avec les pieds gauche au sol. Les deux mains au sol. On va redresser les pieds droits, pointer les pieds droits vers l'avant. Une fois pointés vers l'avant, on va lever les genoux gauche du sol, tourner sur les gros orteils gauche, poser les talons gauche au sol. J'essaie de garder la hanche droite au niveau du genou droit. Je garde cet écart, mes talons sont alignés. Les deux. Je garde les tapis, je garde mes talons. Et une fois là, je ne vais pas augmenter la distance. Je vais tourner sur les talons droits maintenant. Et en tournant sur les talons droits, je viens avec mes deux pieds parallèles. Avec les deux pieds parallèles, les deux mains entre les pieds, j'expire, je me penche vers l'avant pour laisser les crânes couler au sol. Les poids du corps appuyés sur les talons, je pourrais plier mes genoux, il n'y a pas de souci. Sans jamais stresser les genoux, je ne plie les poids du corps sur les milieux de mes talons droite et gauche. J'envoie les œufs des fessiers vers le plafond et je respire. Sans m'appuyer sur la tête, et éventuellement, mieux, rarement, on arrive à frotter les sols avec les crânes. Je respire mes genoux pliés, pourquoi pas? Les jambes tendues pour ceux qui sont plus à l'aise, les poids du corps décalés derrière, respiration longue et profonde. Au bout de 5, 10, 15 respirations, dès que vous êtes à l'aise, on inspire, on soulève le buste et on expire. On revient vers les pieds droits, on redresse les pieds pour ne pas stresser les genoux. Et on expire, on fait un petit chien à tête en bas. On s'ajuste. Ou encore la moitié d'un chien à tête en bas, comme on a fait avant. On s'installe. On compte encore quelques 5 respirations, 10, 15. Hein? On sent les épaules. Pour pouvoir, à partir d'ici, recommencer de l'autre côté. Avancez les pieds gauche entre vos deux mains. Retrouvez la posture, les Revolved Monkey Lunge. Retrouvez la torsion du singe, la torsion de Hanuman. Enchaînez avec Prasarita Padottanasana, les grands écarts entre les jambes, debout, la tête au sol. Toujours conscient de chaque respiration,
de comment vous vous sentez, les rapports avec votre posture, sans rien forcer, sans être sérieux, mais prendre la pratique au sérieux. Observez comment la pratique du yoga peut vous amener vers un état de conscience où vous pouvez vous reconnecter avec vous-même, peu importe qui vous êtes, comme vous êtes. Cette idée de nous pardonner qui nous amène vers la compassion envers qui nous sommes, envers les autres autour de nous. Namasté, mes amis.